Préoccupation par rapport à la situation sécuritaire là, c'est peut-être ça même qui fait matin en urgence. Il fait CSPN pour qu'à répondre à ensemble de actions qui ont passé jeudi à dans la société. Dans le cas ça, nous organisons une conférence de presse pour le Premier ministre, là, Dr. Ariel Henry, exprimer et préoccupation par rapport à ça, rassurer, et exprimer inquiétude déjà, et puis rassurer la famille que dans le meilleur délai, on va trouver une solution à cette situation. Et après, le Premier ministre va parler, il va passer la parole à la direction, directeur général de la police nationale, là, M. Léon Charles, qui va faire le point sur l'ensemble de mesures que la police nationale déjà met en place pour faire face à la situation. Ça. Donc, on a passé la parole à le Premier ministre, le Dr. Ariel Henry. Auprès de toute presse, pourtant que nous faisons entendre, nous devons finir le CSPN beaucoup plus bonheur pour que nous soyons capables de parler avec la presse. Nous soutenons long CSPN. Nous le disons que préoccupation du gouvernement, c'est que tout le monde dans le pays vive en sécurité. Principe qui est bien important pour nous, pour le gouvernement, une priorité de notre gouvernement, c'est que c'est rétablir la sécurité. Situation Jean-Louis là, sont situation qui est préoccupante. Les préoccupantes, c'est peut-être ça, nous réunissons ici espérant et nous prenons un certain nombre de décisions pour que nous puissions retrouver nous plus en sécurité à l'intérieur du pays. Sécurité, c'est pour un bagage qui évolue de façon statique. C'est-à-dire que toute bagaille allait bien. Pendant un certain temps, nous avons le sentiment que bah, il allait bien, bah, il allait un peu moins bien. Et c'est peut-être ça que nous allons passer, chef de la police, hein, la parole pour que l'ICA nous dise un mot. Opportunité, ça, qu'au bas moins, matin, en tant que DGPNH, on a dit deux mots sur situation d'insécurité qui a fait population peur. M'a dit tout simplement, bandit qui voulait faire la loi, il faut que qu'on ait déjà c'est des hauts la loi que vous voyez, quelle que soit activité que ABC fait pour faire mon peur, rôle la police dans ses côtés, j'ai servir. On la police, c'est prendre toute disposition pour que bandits retrouvent le côté supposé des barreaux dans la prison. La police a identifié tout bandit, tout côté bandit a un problème. Et la police n'a pas chambouqué, monté opération pour traquer, empêcher que pour simer la pérèse dans la population. C'est ça que fait. Dernièrement, vendredi dernier, nous avons monté une opération pour te traquer bandits, cracher du feu, depuis quelque temps, à terroriser la population. Je dis, cracher du feu, spécifiquement, tuer pour nous 5 policiers, attaquer 4 commissariats. Depuis 2 mois, la police a collecté information, monté filature, qui fait que bandit que les malinois, il n'est plus. Et c'est chemin ça qui tracé pour tout l'autre bandit qui a fait mon peur. Tout l'autre bandit qui a pris pause, qui a fait la loi, la police a privé sur eux. De toute façon, nous présents, menace qu'a fait eux, nous prenons, nous analyser eux. Nous prenons disposition pour que zone ça yo sécurisée, bandi yo rete dans l'espace que y a au fur et à mesure la privé sur yo. Attaque qu'a fait sur bas la ville. Menace qui gagne sous prison. Menace qui gagne sur l'aéroport. La police a petite population li là. Hier soir toute nuit là. Jodi toute journée, demain
tout ce maintenant et reste qu'il était bandit nous sous nous. La police là a cherché nous. La police a privé sur nous. Mais tout pour nous faire, nous besoin d'appui population. Appui population ça qui veut aller travailler. Pour tout le monde à l'école prochainement, l'école là ouvrir. Pour tout le monde à chaîne nous lever à dégager dans la rue. Nous sommes un pays qui a des difficultés déjà. Donc, bandit, pas qu'à tout le temps, à ennuyer santé nous, à pas de problème. La police avec toute force que nous gagnons, à collecter information avec appui population, jour après l'autre. Vous mettez tout en même temps. Bandit, vous avez une réponse que la police a supposé vers vous. Merci. Merci, merci. Ministre, messieurs les ministres, monsieur le directeur général, même c'est Jean-Jules Desaugustes, travail pour Radio Télévision Métropole. Monsieur le directeur général, à vous particulièrement ma question. Donc, vous parlez d'action, de mesures que direction générale police a prend pour traquer bandits. Donc, ça y a quelques temps, des kidnappeurs ont été annoncés en trêve de 2 mois et ils reprennent kidnapping comme si de rien n'était. Donc, à côté de toute action là, contre les bandits qui peut être prononcée en pleine rue, qu'est-ce que le gouvernement, notamment la direction générale de la police nationale d'Haïti, prévoit pour capable coiffer également les kidnappeurs qui empêchent nous de baquer à occupation? Merci beaucoup. Kidnapping, nous, c'est l'autre forme de violence que Banzio toujours appliqué pour détruire la famille, pour terroriser nous. C'est vrai, dernièrement, on rousse dans la forme de violence. La police a analysé Kayo, il y a des tendances, qui boit au Gramounio, qui boit à la Vegio, et on a continué à faire ça, nous avons fait, on a continué à demander les CPJ qui c'est. Pour les judiciaires qui ont 25 ans, la fête de ça, il y a plus de matériel nous supposons recevoir pour nous craquer de façon pour nous utiliser des technologies. C'est vrai qu'on a certaines résurgences dans le kidnapping, mais la police, même gens, la traque bandit, qui a boulé, qui a pillé, kidnappé, nous avons des cellules contre-enlèvement qui travaillent sur ça. Il a cherché plus de moyens pour être capable de faire ce travail-là et réduire et stopper le genre de violence à la population. Merci. Bonsoir, moi c'est Maurice Jean, je travaille pour Radio Kingdom FM. Hier soir, il y a une information qui t'a fait connaître que, au niveau des MA43, tu as gagné et une fusillade, il y a plusieurs monde qui mourent. Alors, directeur général PNH, qui plus précision, plus explication qu'à apporter pour nous sous information, ça c'est toute forme de information sur ça. Justement, c'est même phénomène, c'est le cas phénomène d'insécurité que l'on parlait là. Hier soir, il y a une machine qui passait dans la zone d'Elma 43, il y a des gens qui victimes. La police là, les premiers éléments de machine, ça, pour le lit, marqué, malheureusement, pas qu'il y a des plaques là. Donc, il prend pour nous renforcer la présence là pour que nous éviter ce genre de violence à la population. Et m'a profité pour me retourner sur l'appel que m'a fait sur la population. À la population pour nous jouer une collaboration. La police est victime de bandits. Mais nous-mêmes, toi, en tant que journaliste, en tant que maman, papa, tu as vu nos pays, hein, nos victimes de phénomènes. On mettait ensemble avec la police. Nous avons une police qui est engagée. Avec moi, c'est 26 ans d'expérience que nous gagnons, pour certaines expertises que nous développons dans nos domaines. Il y a des hauts et des bas. Nous avons continué de travailler. Pour que toute gang qui a des problèmes, quoi des bouquets, vite l'homme, on a une fixation sur vite l'homme.
parce que nous avons assassiné les policiers, nous avons assassiné. Vite l'homme son bandit, oui. Ou pas qu'a fait tout passer pour un homme d'affaires. L'autre n'est qui dit, il a brûlé sur la police là, force là c'est le même. Calme. Calme. Et avec la plus population, n'a brûlé, résoudre ou bien diminuer le nombre de cas de violence. Tirer ce monde pour qui ça? Moun qui blessé hier, qui ça a fait bandit? Il y a l'autre objectif. Mais l'objectif de la police, c'est stopper pour peur. Pour la police n'a pas qu'à peur. Il faut travailler avec la population pour que la peur change de camp. C'est le bandit qui pour peur. Il m'a rappelé un bandit. Durée de vie, un bandit, il va dépasser 2-3 ans. Je vais le filmer. Gagne son ego de yo. Tout monsieur Sakab va dire aujourd'hui, nous allons joindre monsieur Sakab passé déjà. C'est ça me promet nous en tant que chef de police. C'est travail moi et ça m'a fait. Merci. Merci Premier ministre, merci directeur général.